tous, ou plutôt bonsoir. Vous le voyez, on est en pleine nuit, et je ne sais pas si vous le distinguez derrière moi, on voit des fauteuils, on est bien dans un cinéma abandonné, et vous allez le voir, il est vraiment immense, et pour cette vidéo, je suis bien évidemment pas tout seul, je suis accompagné de Chloé Kéops. Elle est là, elle sort de l'obscurité. Hey. Voilà, on va aller explorer ça ensemble, on va découvrir tout ça. Et regardez-moi ça. Regardez, il est vraiment immense. Hein. Le nombre de fauteuils qu'on a. Eh, c'est bouffé par l'humidité. Hein. Ils sont moisis, les fauteuils. Ah ouais. T'as compté le nombre de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rangs. Sur... Non mais attends, regarde encore là-haut. On a tout un étage en fait, juste au-dessus là. On a un balcon, on va essayer de monter à l'étage hein, parce que là on voit pas grand-chose. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la taille de la pièce, mais c'est immense. Hein. Je sais pas depuis combien de temps il est abandonné, on va se renseigner sur le sujet, mais je pense que ça fait un bon moment. Hein. Quand on voit l'état des murs, regardez un peu, tout s'est effondré. C'est impressionnant. Et juste là, on a, regardez ce qui était là, où il y avait l'écran tout simplement en fait. Et on voit l'arrière de l'écran, tout ce qui est, je sais pas comment on appelle ça dans un cinéma. Et toute la partie en fait coulisse qui était derrière, la machinerie, on va aller voir. Ah, on a encore un rideau. Et là encore, là on a le mécanisme qui servait, je ne sais pas à quoi il servait, peut-être à lever l'écran, peut-être à le rideau, non c'est un mécanisme électrique. Ah c'est dans un sale état. Il y a des espèces de jarres là, je ne sais pas ce qu'elles font là. Ça, ce trou là c'était pas pour fixer quand la personne était en haut avec pour fixer l'objectif pour diffuser le film sur l'écran, c'était peut-être le point central pour cadrer en fait. Enfin, je sais pas, hein, je suis pas un expert en cinéma. Ouais, si vous y a des experts, vous me direz à quoi sert ce trou qui est en plein milieu de l'écran quoi. Je pense que c'est pas pour mettre sa tête dedans, ça m'étonnerait. Ouais, jeter des tomates, ouais. Si le film est pas bien. Faut savoir, information très utile, il fait très très froid dans ce cinéma. Ouais, il fait super froid. Bon, en même temps, on est en plein mois de décembre. Donc voilà, je vais vous dire que les températures ne sont pas les meilleures. Et puis du fait aussi que la pièce soit immense, il fait glacé ici. Mais on n'a pas les numéros sur les fauteuils. Il fait glacé. Ouais. On n'a pas les numéros sur les fauteuils, j'ai l'impression. C'est pas numéroté. Si. Si. Là, ah si, d'accord, sur le... Mais je pense qu'ils sont tous tombés. Enfin, 60, tombés, ouais. J'en sais rien. Ouais, ils sont... Ah si, là, 68. On la voit aussi, mais je vois pas. Vous avez vu l'état un peu des fauteuils, quoi. C'est moisi. 57. Et si je sais compter, ben, il y a 128 places. Ouais, donc en bas, il y aurait 128 places. Selon les calculs de Chloé. Attention, ne vous fiez pas aux calculs de Chloé. Il y en a quoi par ici, là? On va continuer. En fait, on ressort de la salle de cinéma. Et on arrive... Ah ouais! C'est l'accueil, en fait, ouais. On a la mezzanine, donc je pense qu'on va pouvoir monter à l'étage. Ah bah ouais, c'était le guichet ça, non? Ouais, je pense, j'en sais rien, attends. On a un espèce de guichet, ouais. Et là? Ah,
Oh, regardez, il mettait des affiches. Ah, il se décompte tout son moment. Ouais, touchez pas trop. C'est quoi? La grande quoi? Escorte. Escogriffe. Le grand escogriffe. Alors, si vous connaissez ce film-là, c'est un film de... Non, Agonista. Non, Agostina, un film de Claude Pinotto. Claude Pinotto. Un film de Claude Pinotto. Voilà, je ne connais pas ce monsieur. Non plus. Ici, on a quand même des très très vieilles bobines de film. Ah, on a encore du matériel, ça c'est génial. Regardez encore les bobines. Là, on en a une. Il n'y a plus la bande dedans. Non, elle est vide. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Hein. Et regardez, là, on a même les chewing-gums Hollywood. Regardez, hein. Ah, ils sont vieux ceux-là. Hollywood Vif Citron. T'as dû les connaître, toi. Non, je les ai pas connus. Non. Eh, celui-là, il est pas mangé, si tu veux, Chloé. Non, ils sont décomposés, ils sont bouffés par les rats et tout. Orange. Regarde, on a même des matelas, on se demande ce qu'ils font ici. On a des matelas dans le cinéma, quoi. Est-ce normal? Avec l'escalier principal, en fait, juste quand on rentre, vraiment, on a des portes à notre dos, en fait. Et on arrive, on est dans l'entrée principale. Donc les gens arrivaient, ils avaient le bar. Ah, il y a encore les tireuses à bière, d'ailleurs. Je sais pas s'il reste un des fonds de cuve. On avait le bar à votre gauche et le guichet, en fait, qui était à droite, ici. Écoutez, on va aller voir à l'étage. Difficile de retrouver son histoire, pour la simple et bonne raison qu'il n'apparaît nulle part. Mais j'ai tout de même pu me renseigner auprès de la commune. Et les seules informations que j'ai pu avoir seraient que le cinéma aurait fermé ses portes entre 1967 et 1970. Voilà plus de 50 ans maintenant qu'il sommeille dans l'obscurité totale. Et on continue, on se retrouve sur la mezzanine, en fait, qui est au-dessus de l'accueil. Et on a cette dame, en fait, qui attend son film, là. Elle attend patiemment sur la banquette. On a encore un bar, en fait, ici. C'est peut-être là où ils vendaient les pop-corns. Non, tu crois pas? On va voir s'il reste des ancêtres de pop-corn. Ah, c'est quoi ce truc-là, là, derrière, non? Ah non, c'est un truc en bois. Ah, c'était le truc qui devait être au-dessus du bar. De quoi? Une chauve-souris qui est passée. Une chauve-souris? Bon, ça m'étonne pas. Franchement, c'est trop dommage qu'il y ait une machine à pop-corn. Ouais, ça aurait été terrible. Bah, je pense que ça fait tellement longtemps que ça a abandonné que ça a été quand même. Ah bah ouais, on va pouvoir arriver. On va aller voir de l'autre côté, mais normalement ça devrait être pareil. On a des inscriptions là, de 2017. Bah, sûrement des enfants du coup, hein, là, qui ont foutu la merde. Je pense. Et après, ça continue, là. On a une porte. Putain! Oh, putain de merde! Bon, bah voilà, ça c'est fait. Mais elle tenait pas, en fait, la porte, elle était posée. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais, ça fait un peu de bruit. Ouais, si c'est discret, en fait, je sais pas où ça mène, ça. Ça mène sur les toits. J'ai pas cassé la porte. Bon, bah voilà, la porte est tombée. D'être discret parce qu'il y a du passage dans la rue, il y a des voitures. Je vais attendre que la voiture passe et je vais aller jeter un œil à l'extérieur. Bon, on va essayer de pas être opéré. Et là, on a un escalier. Je vais aller voir. Ça mène peut-être, tu sais, aux machineries. Bon, malheureusement, les amis, je viens de monter en haut de l'escalier et c'est bien fermé, la porte ne tombe pas. Non, c'est bien fermé à clé. Donc voilà, je pense que c'était les machineries et elles ont bien été refermées. Mais on va continuer, on va aller voir le reste de ce cinéma. On va continuer, on va repasser par la porte bleue de Chloé. Ouais, tout. Non, mais de toute façon, vu l'état du truc. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Oh, t'as vu ça, toi? Beaucoup plus récent. Ouais, c'est pas les mêmes fauteuils. Là. C'est pas tout à fait les mêmes. Vous avez vu la taille un peu? Et là, on se retrouve vraiment, on a l'étage, quoi.
Et le plafond, il est encore super haut. Ah ouais. Je sais pas, c'est quoi ça? C'est les lumières? Ouais, je pense. Oh, c'est moche. C'est super moche. Je suis grave d'accord. Je me demande. Ça ressemble à rien. Et voilà, on a toute la salle de spectacle, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Mais regardez même là la hauteur. On est vraiment. On est haut. Hein. Il y a au moins 6 mètres. Il y a 5-6 mètres, hein, facile. C'est impressionnant. Et là, t'as compté les photos avec Chloé? J'ai l'impression qu'il y en a même plus à l'étage qu'en dessous. Non? Vu que t'en as encore sur les côtés. Ouais, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois. On va partir sur des mathématiques. On va la laisser réfléchir. Et là, de ce côté-là, là, c'est complètement effondré. Regardez un peu le toit. Hein. C'est vraiment... C'est éclaté. Ah ouais, on entend des courants d'air là-dedans. En même temps, il manque une porte. Celui-là, il est bouffé. Voilà, il y en a, ils mangent pas que les pop-corns. Ah, regardez l'araignée là. Ah, elle est prise dans l'humidité. Ah, c'est dégueulasse. Elle est toute blanche. Elle est trop belle. Elle est morte. Mais... Et en fait, on se retrouve tout en haut. Si je dis pas de bêtises, il y a une capacité de 166 personnes en haut. 166 personnes en haut? Ouais. Et là, on est vraiment tout en haut. Regarde, éclaire la grande pièce. C'est immense. C'est vraiment immense. Et on a encore des... T'as vu, il y a des emballages d'M&M's. Ouais, il y en a encore là-dedans. Des emballages d'M&M's, quoi. Je pense que c'est récent, ça. Ouais, ça a l'air beaucoup plus récent. Oui, des squatters, je sais pas. Ouais, il y a des chips. Ouais, il y a même du coca. Il y a des fondions, de chez Lidl. Les chips dans un cinéma. Par contre, je veux redire encore, mais il fait trop froid là. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça carrière. Ouais, il y a tout, il y a des madeleines, ça a été squatté. Hein. Ouais, des 3D. Mais, putain. Putain, les bruits là-dedans. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'est les courants d'air, hein. Il y a beaucoup de vent à l'extérieur. On a la toiture qui tremble, les courants d'air là-dedans, les portes qui vibrent. Ah ouais, ça fait un boucan. Hein. C'est la tôle qui bouge là. Ouais, c'est la tôle qui bouge avec le vent. Elle bouge toute seule la tôle. Cet endroit est hanté. Le cinéma hanté. Ah, mais tu sens le courant d'air? Ah oui, je sens. Ici, c'est quoi? Ce sont des toilettes. Ouais, putain, toilettes turques. Super, quoi. Fallait pas trop avoir envie au cinéma, quoi. Oh. Ah non, on a des vraies toilettes, là, quand même. Oh, ça me dégoûte. Écoutez, voilà, les amis. Et je pense qu'on a fait plutôt le tour, hein. C'est pas si grand que ça finalement. Non, c'est pas si grand. Mais en tout cas, ça change. Ça change de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est cool, ça va.
comment ça? C'est des trucs pour les chiens, ça. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de le faire cogner, mais ça cogne plus. Non. Non. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du cinéma. Hein. Il n'est pas si grand que ça, au final. Bah écoutez, on va redescendre tranquillement. Et puis, on va terminer cette vidéo. Voilà, les amis. L'exploration s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et le lieu. C'était très cool. C'était vraiment sympa, ouais. Très atypique. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce, un petit like. Et un commentaire. Un commentaire. À vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas fait. Et puis, allez aussi voir la chaîne de Chloé Khéops. Allez checker ça. Je vous mets le lien dans la description. Allez vraiment voir sa chaîne. Voilà, les amis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. À bientôt.